Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Alors pour vous c'est juste un épisode, mais pour moi ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné parce que j'ai eu des petits soucis de PC. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez été mis au courant. Donc voilà, ça y est, je peux enfin recommencer à tourner des vidéos. Du coup, j'ai pas mal joué hors stream. Donc je vais vous montrer un peu déjà tout ce que j'ai avancé. Donc j'ai pas mal avancé cette zone ici. Je crois même que j'ai mis des flamants roses. Oui, voilà, ça y est, j'en ai mis. Et il va falloir que je leur ajoute des optimisations. Donc on va aller faire ça tout de suite. Les plantes aussi, c'est pas bon. Il y a trop de plantes qui occupent. Ah oui, il fallait que j'enlève du lierre dans ce bâtiment. Parce qu'il y en avait beaucoup trop. Alors on va faire ça un petit peu déjà, hop, 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 c'est dommage, c'est joli le lierre, mais ils aiment pas ça, donc on va en enlever un peu, on va en laisser quand même, hein. On va essayer d'en dégager le maximum possible, hop, je sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait pas mal de mousse aussi sur ces murs ici, j'ai tout enlevé, il ne reste plus rien, hop. On va laisser un petit peu quand même. Hein. Tac. Alors déjà maintenant avec ça, qu'est-ce que ça donne? Allez, quitter le groupe à chaque fois. Hop. Ah, il y en a encore trop. Hein. 22%. Ah, mais il y en a tellement. Il y en a tellement en fait. Il y en a énormément. Y en a là-bas aussi. Zut. Non. Voilà. Ok. Faut qu'on enlève les plus gros surtout. Hop. Ensuite, on va essayer, pareil, j'ai fait l'enclos des loups, je vais vous montrer. J'en suis pas peu fier. Bon, allez, là, j'en ai enlevé pas mal du lierre, il doit pas rester beaucoup quand même. Hop. Ah, ok, on est bon. On est bon. Au niveau des plantes, on est bon. Donc pour tout ça, on est tout bon. Il y a juste les optimisations. Donc on va aller voir dans la zoopédie. Qu'est-ce qu'ils veulent comme optimisation? Je ne sais plus où c'est. Alors c'est ici. Alors, des arroseurs automatiques. Optimisation alimentaire, on ne sait pas. Tiens, c'est bizarre. Alors, chute d'eau en structure métal, marqueur parfum d'air, mobile miroir. Chute d'eau et structure métal et arroseur automatique. Ok, alors ça va, j'ai pas trop perdu la main sur les trucs, sur les endroits où c'est. Alors, un arroseur automatique, on va en mettre un par ici là. Toc, voilà. Ça, c'est ça, hein. Chute d'eau et structure métallique. Ouais, ça, on va le mettre par ici. Ça fait un peu bizarre comme ça. Ça fait un peu sorti de nulle part ce truc. Ah, je sais. On va le mettre dedans. Là-dedans. On va le cacher là-dedans. Comme ça, ouf, voilà. Et ensuite, le dernier truc, c'était quoi? Les mobiles miroirs, c'est celui-là, ouais, forcément. Ouais, bon, ça se voit un peu ce truc, mais bon, c'est pas grave. Les mobiles de miroir, on va les mettre par ici.
falloir mettre un truc pour la bouffe aussi, mais ça on verra plus tard. Hop. Voilà, donc là déjà il devrait être pas mal. Il restera juste l'optimisation alimentaire à mettre à un moment. Donc là, eux, ils sont bien. Ouais, ça c'est pas grave. Ok. Donc voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis la dernière fois? Cette tour, je sais plus si elle était là. Peut-être là, j'ai fini cette zone-là. Ah oui, j'ai aménagé cette petite zone-là avec les petits restaurants. Là, des petites tables pour pique-niquer. Ici aussi. Là, j'ai fait un truc de plantes. Là, j'ai mis une petite boutique qui était peut-être. J'ai mis des arbres pour éviter qu'ils voient derrière. Pareil, ici, j'ai mis des plantes un peu. Voilà. Autre chose que j'ai terminée et qui m'a pris pas mal de temps, c'est ici. Donc, avoir une des boutiques là. Tiens, d'ailleurs, ça, j'ai pas tout à fait terminé. Là, on voit encore l'intérieur là. C'est ça que j'ai terminé. Hop. Donc là, on monte là-dedans. Hop. On vient ici et là, tchoc, on a la vue sur l'habitat des loups qui fait une espèce de petite forêt. Hop, donc là après on vient ici, pareil. Vue sur l'habitat des loups avec là-bas leur petite grotte. Et tiens, il y en a un ici, là. Vous voyez? Ah bah non, bouffe. Ah, ah, ce bleu, mes yeux. Voilà, après du coup on peut redescendre là. J'ai fait des petits trucs, des petites sculptures et tout. Là, j'ai fait tout bien normalement. Hop, voilà, ça c'est joli. Hop, on sort dans la rue. Voilà, et là. Ah, zut. Et là, du coup, l'habitat des loups. Hop, donc c'est une espèce de petite forêt. Voilà, avec des grands pins, des pierres un peu de partout. Clac, voilà. Et c'est tout ici. Et donc, il y a le téléphérique qui passe au milieu. Voilà, les pierres, là, ça fait... C'est vraiment... Je me vante un petit peu, mais je trouve ça très très joli, ce que j'ai fait. Et là, donc, d'ici, on peut voir aussi l'habitat des loups d'en haut. Voilà. Et du coup... Ah oui, donc ça, c'est les machins qui sont là-bas. Ok. Voilà. Donc là, ce que je voulais faire, moi, c'était finir aussi l'habitat des loups. Tiens, il y en a un là, de loups. Donc, leur bien-être est pas top, parce que le terrain n'est pas bon, il y a beaucoup trop d'herbes longues, donc on va déjà mettre de la roche là où c'est de la roche, hein. On va mettre de la roche, clac, 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 clac. Hop, comme ça va enlever de l'herbe longue déjà, parce qu'il y a beaucoup trop d'herbes longues. Hop, voilà. Clac, 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 clac. Ah, c'est de l'herbe longue de partout, hein, de toute façon. Alors, on va leur mettre de la terre, peut-être. Ça descend doucement. On va leur mettre de la terre là-dedans. Et de l'herbe courte, surtout. Place de toute cette herbe longue. Hop, on va mettre de la terre. Hop, c'est une forêt après tout. Alors, il y a encore trop d'herbes longues, hein. Beaucoup trop d'herbes longues. Je sais pas où c'est qu'elle est, l'herbe longue, mais il y en a encore pas mal. Hop, là, il y en a pas mal. Là, il doit y en avoir pas mal dessous, là. Là, sûrement aussi. Tchou,
toujours à 42%. Ça a pas l'air de beaucoup diminuer. Où c'est qu'il y a de l'herbe longue? Là, il y en a un peu. On va mettre de la terre. Là, il y en a pas mal encore. Là, il y en a pas mal, tiens. Hop, lac. ~36%. Là, de toute façon, c'est de l'herbe courte qu'on a là. Ah, là-bas, il y a de l'herbe longue, là-bas. Ah oui, là-bas, c'est vrai que mon enclos va derrière un peu là-bas. Ok, bon. Mais de la neige, je peux mettre de la neige, il peut vivre dans la neige, très bien. Bon, l'enclos il est où du coup là? Il est là un peu. Où c'est qu'on a de l'herbe longue encore ici? Tiens, il en reste. Je trouve il en reste derrière là, qui est encore prise en compte là dans le dans la forêt. 29%. Allez, on y est presque là. Là, c'est de l'herbe courte après. Herbe longue, tiens, il y en a là. Hop. 28%. Oh, c'est pas possible. Où c'est qu'il y a de l'herbe longue encore? Là, derrière, c'est pas possible, si. Là, non, là, il n'y en a plus. Là, il reste un petit peu. C'est que dalle là ce qui reste comme herbe longue. Elle est où? Elle est où cette foutue herbe longue? Peut-être là derrière, je sais pas où c'est qui. Où c'est que j'ai mis la fin de mon enclos là. Mm-hmm. Là dans les cailloux, non? 26%. 26%! Vous savez quoi? Je crois qu'on va pas se faire chier. Voilà. Hop, on va remettre de l'herbe courte maintenant. Voilà, c'était plus facile comme ça. Hop, de l'herbe courte, de la pierre un peu. De la pierre un peu ici, là. Clac. Hop. Là, là. Et voilà. Ouf, on est bien. Voilà, très bien, parfait. Donc maintenant... on va aller voir les optimisations aussi. Pareil. Alors, un jouet à mâcher. Il y a un paquet de trucs. Alors, une boule pour chien, nourrisseur rotatif et une piñata. On va commencer par ça déjà. Alors. Non, c'était là, là. Non, c'était ça, ça. Alors, nourrisseur rotatif, c'est celui-ci, je pense. Nourrisseur rotatif, alors attention, on va le mettre en haut celui-là, par là, là. Clac, c'est pas mal comme ça. Ensuite, on a une piñata, la piñata, elle, on va la mettre par ici, là. Genre ils vont chasser, tu vois, on peut y aller, les gens pour les observer chasser. Et le dernier c'était quoi? Une balle pour chien. La balle pour chien on va la mettre en bas là. C'est les gens qui sont en bas, ils pourront quand même venir les observer aussi. Voilà. Donc voilà pour les
les optimisations alimentaires et maintenant on va faire les optimisations ludiques. Zopedi. Hop, alors, jouer à mâcher, ça c'est pas mal. Le sac à viande, c'est pas mal aussi. Le bloc de glace, on va mettre celui-là, celui-là. Jouer à mâcher, sac à viande, bloc de glace et balle de glace. C'est les jouets qui font un peu moins jouer quoi. Alors, on a dit. Jouer à mâcher. Donc on va mettre ici. La petite balle de glace. On va mettre par là. Hop, le sac de viande qu'on va mettre ici. Il y avait ça aussi. Marqueur sanglant. Et il y en avait un dernier, je crois. Le bloc de glace. Celui-là. Qu'on va mettre là. Voilà. Bon, là, il devrait être pas mal, je pense. Il est où mon petit loup? Il est là, mon petit loup. Ouais, si, c'est bon. Faut que je mette lecture et ce sera bon. Voilà. Voilà, voilà, on est bien. Très bien, très bien. Ok, parfait. Donc, les loups, on est bien. Et là, du coup, on fera l'enclos des rennes, juste là. Qui continuera ici. Et qui fera... Parfait, on a déjà la grotte, là. Qui viendra là. Et là, j'ai trouvé un pont suspendu qu'il faut juste que je modifie. On va peut-être faire ça après. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. Je crois que c'est tout. Hein. C'est hyper joli de nuit comme ça. Il faudra juste que j'éclaire un peu mieux la rue. Là, il y a des lampadaires. Il faudra que j'en mette un peu partout. Là aussi. Là aussi. Il faudra que je finisse cette zone après aussi. Ça fait pas mal, mais... Ça manque ici, là. Ce sera pas mal. Oh là là, il y a bouchons, là, dans les trucs comme ça, dis donc. Ouais, tant qu'il n'y a pas des arrêts de partout, de toute façon. C'est un peu le bazar, ce truc. Ok, donc voilà ce qu'on avait fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va attaquer, là? Et il faudra falloir que je mette les panneaux aussi. Les panneaux éducatifs. D'ailleurs, on va le mettre tout le panneau éducatif par là. Bon, allez, on va se taper la modif de ce truc-là. Oh non, c'est pas un groupe. Ah non. Ah non, ce n'est pas un groupe. Zut. Ah, ça, c'est la grosse loose. Bon, très bien, c'est facilement sélectionnable. Hop, un groupe. Voilà, comme ça... On ne va modifier que le groupe. Voilà, alors là, on va essayer de tout séparer en deux. Clac. Parce que j'ai tout sélectionné là. Presque, il me faut pas ces trucs-là. Clac, ni ça, ni ça. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Oh, il y a combien de trucs là? Combien d'objets là? Zut. Ouah, c'est un amas de je sais pas combien de cornes. C'est pas grave, on va tout tirer. On verra comment on fait après. Bon, c'est très bien. Faut juste que je prenne ça. Est-ce que je vais arriver à sélectionner les cornes là? C'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Ouf. Ok, si on est un peu plus large, c'est pas plus mal. On va peut-être faire des groupes différents. Là, je suis sorti de mon groupe, hein, on est d'accord.
Est-ce que ça va me le resélectionner? Non, génial. Fantastique. Alors, i. Hop. Ok, voilà. On a un groupe là. Ok, ça c'est un peu dégueulasse, ça. Pourquoi ça part en vrille comme ça, ce truc-là? Allô? Voilà. Ça me plaît pas bien, moi, ça. Non, non, je suis pas maniaque. Hop. Voilà, c'est mieux. Ok, ça rame du fion. Ok, donc maintenant. Maintenant, il faut qu'on modifie cet objet-là. Ok, je suis bien dans le groupe. Ok, c'est bon. Ok. Donc là, je prends tout ça dans le groupe. Non, pas tout à fait. On va lire tout ça. C'est mieux. Ok. Et on va faire un. On va quitter. Non! C'était pas ce que je voulais faire du tout. On recommence. Ah, il y a là. Oh non, regardez-moi ça, quelle horreur. Non, moi je veux sélectionner ce truc-là, là, la corde là. Putain, ça va m'embêter ça. Ah, oh, c'est un. Ah ouais, d'accord, les cordes, c'est des amas de machin. Ça va être très chiant alors, je crois. Ça va être plus la merde que ce que je pensais. Ok, alors là on peut faire comme ça. Ctrl X, tchouk. Paf. Alors attendez. Parce que là déjà je sais pas si je suis bon de ce côté-ci, j'ai pas l'impression. Quitter. Il faut que je prenne ce groupe-là. Que je fasse X. Voilà, là on va se mettre comme il faut déjà pour cacher ma route. Clac. Je suis pas tout à fait droit. Ouais, je suis pas tout à fait droit. Je pense que je pourrais prendre les deux. Celui-là et celui-là. Faire X. Et pivoter légèrement comme ça. Légèrement, j'ai dit. C'est pas mal là, non? Un tout petit poil. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Je prends cet objet. Putain, dès que je pose un objet, ça rame. Il y a trop d'objets dans ma scène, je pense. Ok, donc là, voilà, on cache bien la route. Faudra peut-être faire un truc dessous après. Parce que le béton, ça fait pas très joli. Peut-être qu'on dupliquera, ça va dupliquer les rondins en dessous. Même si ça risque de faire un peu bizarre. Ouais, ça risque de faire un peu bizarre. Et ça, je peux pas le descendre un peu plus. Ah bah, si je le descends trop après, là, je serais plus bon. Ouais, là, je suis à la limite de ma route. Et là, c'est pareil. Ouais, je peux descendre un poil quand même. Je pourrais descendre par là. Ça. Bon, en vrai, je pourrais descendre plus. En vrai, je pourrais descendre là. Là. Là, je suis bien. Là, je suis très bien. Ok. Donc là, on est très très bien. Donc ça, en vrai, j'en ai pas besoin. Du coup, ces deux trucs-là, je peux les supprimer. Ok, et maintenant c'est ça qui va poser problème. Alors, on va prendre tout ça. Clac, on va faire X.
Il m'en manque, zut. C'est pas grave. Ça, on va venir se mettre là. Donc là, normalement, on est bon. Ok. Là, on fait OK. Maintenant, on fait ces trois-là là, qui nous manquaient. Ouais, il y a manqué plus que 3. Zut. C'est quoi ces plantes là? Ouais, c'est les trucs dessous, au pire on s'en fout. Moi j'ai juste les 3 rondins là. Juste les 3 rondins s'il vous plaît. Juste les 3 rondins. Ouais. C'est bon, on prend tout. Ok, ça fait ça à la rage, j'ai l'impression. Hop, tac. Voilà, hop. Ok, maintenant on prend tout ça, on fait CTRL X et on duplique. Alors première chose c'est dupliquer comme ça. Ok, on a dupliqué une première fois, on va dupliquer une deuxième fois mieux que ça. Et voilà. On a notre magnifique pont suspendu. N'est-ce pas classe? Alors maintenant on va faire ces trucs là. Attendez, celui-là là. Dans ce groupe là, il faut tout ça. Oh, j'en ai loupé un l'autre fois. C'est pas grave. CTRL X. Clac. Ah non, c'est pas aligné. Oh non, c'est pas aligné. Oh putain, mais quelle horreur. Voilà. J'ai envie de me suicider quand c'est comme ça. Du coup, les trucs... Ouais, bon, là, ça se verra pas trop, là. Ça se verra pas trop, là-dessus. Ça se verra. Je fais ça, je fais X et que je change mon axe. Qu'est-ce que ça change? Ok, c'est encore pire. Bon bah tant pis, on va faire avec ça. Merde. Ah. Bon, on va se débrouiller avec ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était le truc de la corde, ça je parie. Ça, à mon avis, c'est le truc de la corde. Qu'il faut que je laisse comme ça. Pas grave, c'est au milieu du chemin, ça fait un peu plus... Ouais, non, c'est dégueulasse. Hop, on se débrouille pour qu'il y ait une pierre là qui tombe par là. Parce qu'il va falloir mettre des pierres évidemment. On pourrait s'en occuper tout de suite même. Chuck. Pouf. Allez, dès que je clique sur quelque chose, faut que ça rame. C'est une horreur. Ah non, je suis allé trop loin là. Ok. Paf, voilà, c'est très bien comme ça.
C'est parfaitement parfait. Hop. Hop là, voilà. Ok, donc maintenant faut qu'on fasse ça. Allez. Contrôle X. Vous savez quoi? J'ai la flemme. Pourquoi faire ça à l'arrache? Hop. Ah non, ils sont pas alignés, putain. J'en ai plein les fesses. Allez, non, non. Voilà. X. Hop, allez, ça ira très très bien. Est-ce que là on est aligné? Ça a l'air, j'aurais dû les prendre un par un en fait. Ok. Allez, ça va ramer dès que je vais poser un truc, punaise, c'est punaise. Ah, dès que je clique, faut que ça rame un peu. Allez, X. Ouais, vivement que je change mon PC pour de vrai. Parce que du coup, là, c'est un PC de dépannage que j'ai en attendant. Et du coup, c'est pas la joie. Ok. Enfin, au final, il est pas mieux que celui que j'avais avant, quoi. C'est à peu près le même d'ailleurs. C'est mon pros qui déconne. Mineur! C'est mon processeur qui avait des problèmes et là en gros j'ai eu la. On m'a prêté la version au-dessus. J'ai récupéré ma carte graphique. Ok. Bon, bah voilà, on aura fait le pont. On aura fait le pont. Je vais voir ce que ça donne par-dessous. Oula. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas ouf, hein. Bon, il va falloir qu'on cache tout ça quand même. Il va falloir qu'on cache tout ça. Oula! Oulala, qu'est-ce qui s'est passé là? Le zoom a complètement bugué. C'est pas grave. Bon, je ferai ça plus tard, j'ai un peu la flemme de faire ça maintenant. Ok. Bon, bah très bien, notre pont il est pas mal là. Là, il faudra qu'on mette des petites barrières, qu'on récupère des barrières. Et voilà, ça fait une petite demi-heure de vidéo là. Au moins vous avez vu les nouvelles choses. Et on repartira sur de bonnes bases. Ah oui, j'avais ajouté cette petite tour là parce que le bâtiment était un peu trop cubique de derrière. C'était un peu comme celui-là, quoi. Il avait rien derrière, quoi. D'ailleurs, là, il y a une espèce de décor à l'intérieur, mais au final, c'est dégueulasse ici. On se débrouillera pour le faire un truc joli. Ou faire un truc caché. Voilà. Donc du coup, la prochaine fois, ce serait bien qu'on trouve des nouveaux flamants roses aussi, je crois que j'en ai pas assez. Donc la prochaine fois, et ben, on essaiera de continuer un peu ici, là. Hein? J'essaierai d'avancer hors stream ce pont, là, caché dessous. Et puis il va falloir qu'on trouve ce qu'on fait dans cette zone-là. Ouais, ce serait
serait pas mal. Peut-être qu'on va mettre des plantes là simplement. On va mettre ce gros bâtiment ici là. Peut-être avec cette arche pour sortir. Parce qu'au final là il nous reste pas beaucoup d'animaux hein, du pack, enfin de l'Europe. D'ailleurs j'avais mis où les... Là. Donc là on va pouvoir prendre le loup. Hop. Le loup, on va le mettre ici. Hein. Le panneau du loup. On va le mettre ici, parce qu'en bas au final il n'y a pas grand chose. Et puis dans le bâtiment ça va pas faire terrible. On va le mettre ici le loup, comme ça. Ouais, hop, un peu plus par là. Comme ça, voilà, très bien. Faudra mettre des panneaux éducatifs, évidemment. On va récupérer saute, je sais pas où. Il y avait les phoques là. J'ai pas modifié d'ailleurs l'enclos des phoques, j'espère. Social. Zut. Pourquoi il a une mauvaise sociabilité lui? Ouais, voilà, lui il y a trop de roches et pas assez de sable. C'est ce qui me semblait, j'ai fait des conneries tout à l'heure du coup. Non, mais je ne veux pas faire ça. Alors lui. J'ai rien cassé là, c'est bon. Ah, je sais pas pourquoi lui il est tout le temps comme ça là. On verra plus tard. Donc je voulais dire terrain, sable. Voilà, ça devrait être bon, ça devrait suffire. Non, il y a encore trop de roches. Ah non, il n'y a pas assez de roches. Non, je me suis gouré. Voilà, parfait. Très bien. Eux, normalement, ils sont nickel, hein. Ouais, voilà. Eux, ils sont très bien. Donc oui, je disais, les animaux de l'Europe, normalement, je les ai tous mis, je crois. Les animaux qui étaient faisables en Europe. Donc là, on va tourner ici. Je me souviens même plus, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Là, j'avais dit que je ferais les rennes, et je me rappelle plus ce que j'avais dit après, pour là-bas. Oh! Excusez-moi, je suis fatigué. Je crois qu'on avait dit qu'on partirait sur les animaux de l'Asie du Sud, genre limite Afrique, pour mettre les chameaux, tout ça. Puis là, on aura notre pyramide par ici. Je sais plus si j'avais dit que je la ferais ici ou là. Plutôt par là. La grande pyramide, il faudra qu'elle soit par là. Ça va être un sacré chantier. Ça va être un sacré chantier. Parce que là, j'ai ma montagne. Bon, après, il faudra que je fasse des... Oh, je sais pas comment je vais faire. Il faudra que j'aplatisse à des endroits pour faire des enclos un peu plats. Ouais. Un petit train qui fait le tour. Peut-être même avec un pont, là. De chaque côté qui fait le tour et qui ferait sur deux montagnes là. Ce serait pas mal, il faudra que je fasse une deuxième montagne pour faire une espèce de vallée là. C'est ce que j'avais prévu de faire. Ouais, puis on verra. Hein. Et puis on verra. Voilà. Allez, donc moi sur ce, eh ben je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao! Ah, mes raccourcis ne marchent plus.